Dieu, quelle belle musique! Il m'a fait connaître l'éternel là. Oh, Dieu soit loué! Amen. Salut les enfants, de la part de l'éternel, Papa Dieu, que la paix soit avec vous. J'ai faim et j'espère que vous aussi. On va pas trop traîner car des sales méchants jambres mangent les petits élus dans cette forêt. J'ai vos doigts du nez, sur la table spirituellement parlant. Ensuite, pour le dessert, j'ai prévu un gros gâteau il y aura une grignotte en guise de témoignage. Salut les enfants, Donc j'espère que vous avez bien faim spirituellement. On va se mettre à table, on va pas trop traîner dans cette forêt, comme je viens de le dire. Il y a des méchants ogres qui euh, mangent les petits élus. On va se mettre à table spirituellement et j'ai prévu de faire un témoignage, donc ça sera la petite griotte sur le gros gâteau, le dessert, et ça sera merveilleux, vous allez voir, vous allez voir. La gloire de Dieu sur ce live, chers amis. Franchement, moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Les lives sont de plus en plus, je vais pas dire de plus en plus beaux parce que ça serait mentir, mais de, de plus en plus gigantesques, de plus en plus infaisables pour moi derrière. Je n'arrive plus, je n'arrive plus à suivre ce, ce, ce géant, ce géant, cet éternel. Je n'arrive plus à suivre. Il est trop glorieux, les amis, je vous assure. Il est fabuleux, il est fabuleux. Amen. Alors. On sort ses doigts du nez, les élus, et on met ses petites mains en prière pour louer Papa Dieu. Loué sois-tu, éternel des armées, notre Père qui est dans les cieux. Nous te rendons grâce pour cette bonne nourriture spirituelle que nous allons partager ensemble sur ce live pour ta gloire. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, les amis, pit, 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 on va pas traîner. Euh, Jean... Jean chapitre, Jean chapitre 10. Pourquoi Jean chapitre 10 Allez, Il y, y a écrit quoi Jean chapitre 10 là Non Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai dit Jean chapitre 10 Pourquoi ça m'a sorti tout seul Ça m'a sorti tout seul <laughs> Jean chapitre 10. Il y a quoi Jean chapitre 10 Non mais j'ai je, 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 la curiosité là, les amis, je m'excuse. Jean 10. Jean 10, pourquoi je dis Jean 10 alors qu'on a parlé du 10, le X Pourquoi je dis Jean 10 alors que ça n'a rien à voir avec ce que je voulais dire. Le bon berger. <laughs> Jean chapitre 10, c'est le bon berger. D'accord. Alors suivons le bon berger. Euh, on va lire Josué chapitre 3. Les amis, c'est ce qu'on va étudier. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Amen. Ma bouche, elle a parlé tout seule, elle a dit Jean 10. <laughs> Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ après c'est Philippiens chapitre 2. Voilà ce qu'on va étudier les enfants aujourd'hui chers petits élus. Amen. Alors euh, oui, vous l'avez reconnu, c'est Loulou le pou, c'est le Loulou, Loulou le pou <laughs> dans le drôle de petite bête. Il y a des drôles de petites bêtes dans ce bas monde. Oui, 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 oui. Alors Josué, Josué, Josué. T'es où, Josué Il est dans, il est dans la Torah. Alors, mais je suis, je, je suis, un pouce C'est vrai parce que j'arrive pas à, à trouver mes pages. Alors, je vais le prendre directement sur le téléphone. C'est pas grave, c'est pas grave, les amis. Il faut suivre la tête, le chef de l'église. Ah, je comprends pourquoi j'ai mis un pouc. Ah oui, oui. Ah, c'est ah, c'est vrai, c'est vrai que là, c'est mieux, c'est mieux. Vu comme ça, oui, c'est mieux. <laughs> Allez, Loulou. Ah, bah, ah je l'ai vraiment réduit à la taille de poupe, pour, <laughs> pour le coup. <laughs> Alors, louez soit l'éternel. Merci, Seigneur, pour ce temps que nous allons passer à l'étude de ta parole de vérité. Merci pour cette bonne nourriture spirituelle que nous allons partager ensemble. On mange à la parole de Dieu, les amis. Hein. Amen. Josué s'est enlevé de bon matin, parti de Simti avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Donc, euh, voilà le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Là, c'est le Père hein, qui est le bon berger qui guide les brebis jusqu'au Jourdain. Mais avant de le traverser, de mettre les pieds dedans, il s'arrête, il passe une nuit. Au bout de trois jours, Jésus restait trois jours dans le tombeau. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp. L'Éternel, l'Éternel passe en revue son peuple. Excusez-moi. J'ai des petits roux qui remontent. J'ai pris des petits médicaments. <laughs> C'est les médicaments. Ça passe pas dans l'estomac. Faut que je boive. Non, boivez ça se dit pas. Faut que je boive. Au bout de trois jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Donc l'Éternel, il peut donner des ordres par ta bouche. Ailleurs, moi, j'ai un ordre à vous donner de l'Éternel aujourd'hui. Amen. J'ai, j'ai tellement été ému, je vous assure, mais je vous en fais le témoignage après. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche avec elle. Donc derrière elle. Voilà le bon berger. Amen. L'Éternel, dans cette arche d'alliance, l'Esprit de Dieu se manifestait comme un feu, en fait. Il se manifestait sur cette arche d'alliance comme un feu, et là, l'Éternel marchait devant eux. Amen. Il les guide. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. Ah, c'était pas rien. Hein N'en approchez pas. Il faut pas en approcher. S'il donne cet ordre, il ne faut pas toucher. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre car vous n'avez point encore passé ce jour-là. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Vous aussi, vous devez être un peuple saint pour l'Éternel. Sanctifiez. Alors on met pas ses mains dans les crottes de nez. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche d'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche d'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Regardez bien ce qui va se passer dans la suite, les amis. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est vrai Seigneur. Attendez, excusez-moi. D'accord, Amen. Euh, donc je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Il sera avec le peuple. Tu donneras cet ordre au sacrificateur qui porte l'arche d'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Ils vont s'arrêter. Josué dit aux enfants d'Israël Approchez-vous et écoutez les paroles de l'Éternel votre Dieu. Josué dit À ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Étiens, les Éviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Le Dieu vivant, pourquoi on appelle l'éternel le Dieu vivant Certes, les idoles de pierre sont des idoles mortes, elles ont une bouche, elles ne parlent pas, des yeux, elles ne voient pas, des mains, elles ne touchent pas, euh, elles sont capables de rien, c'est des, des idoles. Mais parce que l'éternel des armées, c'est Adam et vous allez comprendre au moment du dessert la petite griotte, le gros témoignage en fait, la petite griotte qui est énorme quand même qui est énorme parce que va falloir l'avaler ce témoignage là, va falloir le comprendre les amis, il est, il est corsé comme le café, il est corsé <laughs> euh... mais qu'est-ce qu'il est bon les amis qu'est-ce qu'il est glorieux ce témoignage je vous assure, j'ai hâte être. donc l'éternel c'est c'est l'esprit d'Adam parce que Dieu souffla dans les narines d'Adam. Adam, il avait l'esprit de Dieu en lui. Amen, c'était le premier corps de l'Éternel Adam. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Et le Paraclet le Shiloh, le Messie, le oint de Dieu, celui qui doit sauver le monde, doit faire exactement cette trajectoire et pas une autre. Il doit passer par ce Jourdain. Il faut absolument faire le chemin euh, du Père pour prétendre en être le Fils, le Fils unique, le Paraclet, le Chilo, le Messie. Donc Jésus, il est dans le Père. Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi À ce moment-là, il est où Jésus Il est où Jésus qu'on connaît, Jésus le, 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 le Consolateur, le Chilo, le Messie Il est dans le Père. Et là, tout ce que le Père fait, le Fils va le faire. Le fils s'arrêtera au Jourdain. Mais attendez, regardez hein, ce, que va faire, ce que va faire le Père. Le fils s'en inspirera après. Il le fera aussi. Maintenant, prenez douze hommes. Quand le fils s'arrête au Jourdain, qu'est-ce qu'il va faire après Il va prendre douze apôtres. Amen. Tout ce que le Père, tout ce que je fais, je l'ai vu faire de mon Père. Amen. C'est ce qu'il m'a dit ce matin pendant que je faisais mon temps d'étude. Oh, puis à un moment, je lui dis chérie, écoute, je suis tellement fatiguée, je t'assure. Ça fait tellement longtemps que je dors dans les ténèbres. Laisse-moi dormir laisse-moi laisse dormir lève toi qui dit lève toi tu dois euh, veiller et puis tu dois euh, travailler là pour, pour voilà faire le, le, le truc euh, voilà pour le témoignage des élus tout ça tout préparer quoi et puis finalement bah, il m'a laissé finalement dormir j'ai gagné <laughs> et puis je me suis levé à 10h et euh, depuis les 10 heures bah, je suis là à préparer le fameux témoignage en question qui est bien corsé, Amen. Maintenant, prenez douze hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Donc, ce que le père a fait, le fils l'a fait. Ça, c'est clair. Et dès que les sacrificateurs euh, qui portent l'arche de l'Éternel, le, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, waouh, les eaux du, jour, du Jourdain seront coupées et les eaux qui descendent en haut, elles s'arrêteront en un monceau. Waouh. Tu te rends compte de ce, que, ce qui s'est passé là Le Jourdain était comme coupé en deux. Donc, euh, les eaux se sont arrêtées de couler, en fait. C'est incroyable. Dès qu'ils ont mis le, les pieds dans l'eau. Dans Et ça, c'est très symbolique. C'est très symbolique parce qu'ils sont le corps-épouse de Christ. Ils portent l'arche d'alliance de l'Éternel. Ils sont le corps-épouse de Dieu. Donc là, qu'est-ce qu que ça peut signifier, ça C'est un arrêt... Ils posent la plante de leurs pieds sur l'ennemi. C'est un arrêt. Jésus pose la plante de ses pieds aussi sur l'ennemi. Amen. Les eaux, les eaux. Il arrête les eaux sales, finalement. Il va arrêter les eaux sales. Il fait le tri dans l'eau, en fait, de l'eau. Euh, donc des esprits qui sont de lui, qui ne sont pas à lui. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain. Et les sacrificateurs qui portaient l'arche d'Alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche. Furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. Le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives, voilà, tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam. C'est pas, pas rien qui se fait là, hein, qui est à côté de Sartre, euh, Tsartan. Alors, je n'arriverai pas. Euh, C'est bizarre. On dirait Satan dit comme ça. Tsartan. Et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Voilà. Donc, ça arrête les eaux, euh, finalement, d'Adam dans la mer salée. Ça a été coupé en deux. Le peuple passa vis-à-vis -vis de Jéricho. Tiens donc. Euh, ou là où les murailles sont tombées, Babylone, elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, les sacrificateurs qui portaient l'Arche de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de, de pieds fermes sur le sec, au milieu du Jourdain, de pieds fermes, sur le sec, parce que l'eau s'est séparée. Pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain, alors je vais lire la, la suite, lorsque toute euh, la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué Prenez douze hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu. Donnez-leur cet ordre Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, douze pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans le lieu où vous passerez cette nuit. Donc là, mon chéri, ce matin, au moment où j'ai lu ça, il m'a dit, il m'a montré les sacrificateurs, les Pharisiens. Jean baptisé, d'accord, dans le Jourdain, au commencement. Euh, mais les sacrificateurs n'ont pas reçu leur baptême. C'est pour ça que là, déjà, les sacrificateurs s'arrêtent dans ce jardin. Et euh, mon mari m'a montré aussi que euh, bah, les douze pierres qui ont été emportées, c'est les douze pierres qui ont suivi le Christ, celui qui est semblable à Dieu. Tu es pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Josué appela les douze hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu. Il leur dit Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Donc, euh, le, le fils, ce qu'il a vu faire du Père, il l'a fait, lui aussi. Amen. Euh, il a pris douze hommes, un pour chaque tribu. Amen. Et. Euh, le Fils s'est chargé, s'est chargé des pierres, donc s'est chargé euh, bah, de la vie de chaque homme, de l'Église. Amen. Et avec ces pierres vivantes, il a reconstruit le temple de l'Éternel des armées. Amen. Il les a chargées sur son épaule, parce que le bon berger, euh, bah, on lui doit tout, hein. c'est lui qui a porté euh, notre croix. Amen. Afin que cela soit un signe au milieu de vous, lorsque vos enfants demanderont un jour... Que signifient pour vous ces pierres Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain. Les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Donc là, le Seigneur, il veut absolument, parce que ça fait deux minutes déjà qu'il me dit ça là, dans l'esprit, là. Euh, enfin deux minutes, peut-être pas, mais euh, ça fait un petit moment qu'il me répète, il me répète, il me répète. répète, répète. Dis-leur, dis-leur, dis-leur. Oui, je leur dis que l'Éternel est le bon berger. Et que euh, les douze pierres qu'il a choisies, les apôtres, euh, font partie du bon berger. Des, ils font partie du chef, la tête, l'enseignant. Amen. Ils auront droit à juger euh, les choses de cette vie et puis, euh, et puis euh, toute créature y participera au jugement de l'éternel. Amen. Nous-mêmes aussi, nous y participerons, mais pas comme eux. Eux, ils auront le, leur, leur place directe. Ils m'ont suivi, dit le Seigneur, et ils vous guident sur le droit chemin. Voilà, c'est ce qu'ont fait les apôtres. C'est leur travail. On est entré dans leur travail. Amen. Les enfants d'Israël firent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent douze pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, et les emportèrent avec eux et les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Voilà. Donc vous avez compris que euh, bah, ça fait référence aux douze apôtres qui ont été enlevés. Directement, même du milieu euh, de la nation d'Israël, hein. euh, comme là, les pierres, elles ont été enlevées du Jourdain, prises du Jourdain, donc dans les eaux. Donc, c'est des, des gens baptisés, hein, enlevés euh, à la nation d'Israël dès qu'ils sont passés dans les eaux du baptême. Amen. Et des gens consacrés à Dieu. Et regardez ce qu'on fait, c'est. Ces, ces personnes qui ont pris les douze pierres, ils les ont emportées avec eux et les déposèrent dans un lieu où ils devaient passer la nuit. Et le Seigneur m'a parlé du Mont des Oliviers ce matin. Lui-même a passé la nuit, la dernière nuit au Mont des Oliviers, avec les douze apôtres, avec les douze pierres consacrées. Josué dressa aussi douze pierres, voilà, au milieu du Jourdain, à la place où s'étendent où s'étaient arrêtés pardon les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche d'alliance de l'alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Donc là, ils n'ont pas fait de baptême, hein, les, euh, le peuple consacré à Dieu hein, dans le Jourdain, parce qu'ils sont passés à pied sec. Euh, C'est aussi une représentation des douze apôtres dans les eaux du baptême, ces douze pierres euh, au milieu du Jourdain, placées comme ça, voilà. Et elles y sont restées jusqu'à ce jour, voilà. Les sacrificateurs qui portaient l'arche se tinrent au milieu du Jourdain jusqu'à l'entière exécution de ce que l'Éternel avait ordonné. À Josué de dire au peuple, selon tout ce que Moïse avait prescrit à Josué. Et le peuple se hâta de passer. Amen. Lorsque tout le peuple eut achevé de passer, l'arche de l'Éternel et les sacrificateurs passèrent devant le peuple. Les fils de Ruben, les fils de Gad et la demi-tribu de Manassé passèrent en armes devant les enfants d'Israël, comme Moïse le leur avait dit, environ quarante mille hommes équipés pour la guerre et prêts à combattre passèrent devant l'Éternel dans les plaines de Jéricho. Donc voilà, c'est l'armée du Seigneur, hein, de l'Éternel des armées. C'est ses rachetés. C'est son peuple consacré, Amen, et avec lequel nous-mêmes on fait qu'un seul corps, les amis. En ce jour-là, l'Éternel éleva Josué aux yeux de tout Israël. Et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse tous les jours de sa vie. L'Éternel dit à Josué, Ordonne aux sacrificateurs qui, por qui portent l'arche du témoignage de sortir du Jourdain. Et Josué donna cet ordre aux sacrificateurs, sortez du Jourdain. Lorsque les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel furent sortis du milieu du Jourdain et que la plante de leurs pieds se posa sur le sec, les eaux du Jourdain retournèrent à leur place et se répandirent comme auparavant sur tous ses bords. Le peuple sortit du Jourdain le dixième jour du premier mois. Voilà le numéro dix, le X. Et il campa à Gilgal, à l'extrémité orientale de Jéricho. Josué dressa à Gilgal les douze pierres qu'ils avaient prises du Jourdain. Et il dit aux enfants d'Israël, lorsque vos enfants demanderont un jour à leur père, que signifient ces pierres vous en instruirez vos enfants et vous direz Israël a passé ce Jourdain à sec, car l'Éternel votre Dieu a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, jusqu'à ce que vous eussiez passé, comme l'Éternel votre Dieu l'avait fait à la mer Rouge, qu'il mit à sec devant nous, jusqu'à ce que nous eussions passé. Alors, euh, il est quand même incroyable quand j'y pense, parce que mon témoignage parle aussi de l'eau du don de l'eau que donne l'Éternel. Et là, il a mis à sec, tu vois. Ils avaient soif. Il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau, ni pour leur baptême, ni pour les désaltérer dans le désert. C'est fou ça. Pourtant, l'Éternel est un breuvage. Afin que tous les peuples de la terre sachent que la main de l'Éternel est puissante. Et afin que vous ayez toujours la crainte de l'Éternel, votre Dieu. Amen. Toujours. Donc on va prendre maintenant, euh, on va prendre rapidement euh, Philippiens 2. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Moi, je donne juste ce que le Seigneur m'a donné. Là, c'est plus de la lecture, j'avoue. Il n'y a pas vraiment de révélation et de sens caché. Il y en a peut-être. Mais en tout cas, le Seigneur ne nous donne pas tout. Donc Ephésiens 2, hein, c'est ça, Philippiens 2. Oh, Philippiens 2. Euh... C'est dans le témoignage après que le Seigneur va donner des choses. Donc si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour. Une même âme, une même pensée. Donc là, on voit euh, ce que Paul demandait à Évodie et Saint-Tich, d'être d'un même sentiment dans le Seigneur, d'avoir un même amour, donc c'est qu'elles se querellaient certainement entre elles. Une même âme, une même pensée, elles étaient peut-être un, peu, un peu en rivalité, moi, je pense. Oui. Euh, ça, c'est propre à l'être humain, hein, c'est d'avoir un ego et euh, de se sentir en rivalité, en compétition dans les églises. Ça, c'est ce qu'il faut pas faire, les amis. Voilà. Donc, quand Paul les exhorte à avoir une même pensée, un même sentiment, une même âme, euh, c'est de demeurer dans, dans l'amour de Dieu, hein, dans l'amour parfait. Pardon, alors je bouge l'écran, je sais que c'est pas agréable pour vous. « Si donc il y a quelque consolation Christ, il y a quelque consolation, on souffre en Christ, hein, mais en attendant le Seigneur, il y a quelque consolation. Si tu restes tout seul... » Tu vas continuer à souffrir et à souffrir et à souffrir. Il n'y aura pas de consolation. Par contre, il y aura quelques soulagements dans la charité. Donc, à t'unir aux autres. Et, euh, il y aura quelques unions d'esprit. Voilà. Et il y aura quelques compassions et quelques miséricordes. Donc, faut venir t'unir au troupeau de Dieu. C'est là que tu auras tes quelques consolations. Sinon, tu vas souffrir, 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 même te lasser. Puis, même, peut-être, même abandonner Dieu. Et mourir. Donc, pour pas mourir, c'est ce que j'ai dit aux élus, et je le recommande vraiment. Quand vous sentez l'angoisse, que vous sentez la tristesse, que vous sentez de la peur, que vous sentez euh, euh, pas envie de lire la Bible, pas envie de prier, il faut venir sur des, euh, au milieu des élus ou sur des lives euh, d'élus voilà, là où il y a des élus qui, qui sont réunis. Il faut venir, voilà. Il ne faut pas rester seul. Rendez ma joie parfaite, dit le Seigneur. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, Seigneur, il m'a montré pour Évaudier Saint-Tiche ce matin, voilà ce qu'il m'a montré. Hein. Euh, mais nous, on doit on doit faire comme Évaudier Saint-Tiche, on ne doit pas être en compétition et on doit être, on doit obéir pleinement à Dieu. <coughs> Prêche la parole et tout ça, c'est bien. Faire des révélations, des témoignages, c'est bien. Mais si tu n'as pas l'amour véritable du prochain, ça sert à rien. Si tu te sens dans ton ego euh, euh, en compétition avec euh, le prochain, euh, qui est dans l'Église et qui fait le même travail finalement que toi pour Dieu, euh, ça ne sert à rien du tout, C'est pas bon. Ne faites rien par esprit de parti, voilà, ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pourquoi on doit regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes Parce qu'en fait, on adore Christ et l'autre, c'est un bout du membre de Christ. Donc, moi je dois me faire tout petit, même devant les autres, euh, bien que je fais partie du corps de Christ. Si je fais partie du corps de Christ, je dois être petite devant les autres parce que c'est mon Dieu finalement. L'autre, c'est, il a l'image de mon Dieu, c'est Christ, il représente Christ pour moi. Est-ce que je voudrais être en compétition avec Christ Est-ce que je voudrais me quereller avec Christ Non. Il faut regarder les autres étant à l'image du Seigneur, notre Dieu, et euh, travaillant pour sa gloire. Ainsi. Euh, euh, et eh ainsi ben, on, on détruira l'idée qui va souvent germer dans nos esprits, hein, qui a germé même dans la tête de Paul et dans beaucoup d'élus, de, de, hein, euh, de vouloir se mettre en compétition dans l'Église avec les autres. faut pas oublier que les autres sont Dieu, les autres sont le corps de Christ. Amen. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, parce que finalement ceux des autres, bah, c'est ceux de Christ, et toi tu es amené à servir Christ. Donc, tu dois servir les autres, parce que les autres, c'est son corps. Amen. « Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Quels sentiments y avait-il en Jésus-Christ De l'amour, de la charité, de la tempérance, de la sagesse. Il n'y avait pas de colère, il n'était pas envieux. Il n'y avait pas de peur. Jésus-Christ existant en forme de Dieu, donc c'est bien Dieu qui s'est fait chair. C'est pas Jésus-Christ qui s'est fait Dieu, c'est Dieu qui s'est fait Jésus-Christ, qui s'est fait homme. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être l'égal de Dieu sur terre. Parce que tu ne peux pas être l'égal de Dieu sur terre dans la matière, dans la chair, de toute façon. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, les amis. Il euh, n'y a qu'au ciel que, que tu peux être l'égal de Dieu, mais il y a déjà Dieu au ciel. Donc tu ne peux pas être en compétition avec Dieu, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Dieu s'est abaissé volontairement et a accepté de, euh, de reprendre sa place d'homme, Adam, Adamique. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes. Voilà, il est nouvel Adam. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Donc, par la passion, hein, par les souffrances. Euh, le jour où tu mangeras de ce fruit, dit Dieu à Adam, tu mourras. Oui, c'est vrai. Euh, Dieu, euh, Dieu c'est Adam. Hein. Dieu, c'est Adam. C'est pour ça que euh, il demande aux anges de se prosterner devant lui, hein, sur terre. Et euh, ce n'est pas Adam qui a péché, c'est la femme. C'est Ève qui a péché. Mais la péché, elle fait partie du corps d'Adam. Donc, c'est comme si elle avait souillé Adam. C'est comme si tu pêches contre un des dix commandements, bah tu as souillé toute la loi qui sort de Dieu. C'est logique. Euh, si tu fais pipi dans une bouteille, tu vas souiller toute la bouteille, t'es d'accord Et Eve, elle sort. Elle sort de cette bouteille. Elle est une côte. Elle est l'eau. Elle est l'eau tirée de l'eau. Donc, au moment où elle, elle se souille, elle ne fait qu'une seule chair avec son mari. Donc, elle souille son mari. Adam n'a pas la même punition que Ève parce que Adam n'a pas le même péché que Ève. D'abord, Adam, il est sans péché. Adam est sans péché, je vais vous le prouver tout de suite. Mais pourquoi Dieu le juge Parce qu'il suit sa femme. Il suit sa femme plutôt que son propre esprit. Il veut suivre sa femme parce que Adam est soumis à la loi de Dieu parce qu'il est Dieu. Adam ne, ne, ne commet pas de péché. Adam, Dieu va lui donner un boulot. Eve, elle aura une punition, le serpent aura une punition. Adam, il est sans péché parce qu'il n'a pas commis le péché de, de manger avec le serpent, il n'a il pas fait ça. La femme lui a mis de la nourriture comme ça, après, elle lui a caché et elle lui a donné. Mais de toute façon, elle était déjà souillé, donc un peu plus, un peu moins, ça revenait au même. Et Adam a fait le choix de suivre littéralement sa femme plus que Dieu, plus que son propre esprit, parce qu'il aimait cette femme. Donc, euh, le jugement divin qui est prononcé euh, sur Adam, Ève et le serpent, c'est pas la même punition pour les trois, en fait. C'est pas la même. D'abord, Adam, c'est pas une punition. Parce que lui, il obéit, il obéit au Seigneur et Dieu a dit Tout ce que Dieu a unique l'homme ne, ne, ne le sépare pas. Donc, Adam, il est soumis à la loi divine de Dieu dans son esprit à l'intérieur parce qu'il a l'esprit du divin. Euh, parce que Dieu lui a soufflé dans ses narines son propre esprit. Amen. Adam, c'est Dieu sur terre. Amen. C'est Dieu fait chair. Déjà la base. Et euh, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Donc, quand Dieu donne un travail à Adam en disant tu euh, tu travailleras jusqu'à la sueur de ton front pour en sortir le pain de la terre et tout ça. C'est vrai, c'est vrai, parce que euh, Adam c'est Christ et pendant 33 ans de sa vie, hein, vraiment consacré à Dieu, il va travailler, il va travailler et il va le faire sortir le pain de la terre stérile, parce que la femme, elle est stérile, elle est devenue stérile, hein. donc il va le faire sortir le pain, le pain de l'évangile, le pain de la bonne parole de Dieu. Amen. Donc il va mourir aussi, il va mourir parce que il va se charger des péchés de la femme et c'est comme si bah du coup euh, euh, il allait manger les fruits, les fruits du péché parce que il se fait maudire à la place de sa femme, lui qui n'a pas commis de faute. Adam n'a pas commis de faute. C'est la femme qui a transgressé la loi de Dieu, pas l'homme. Que l'homme ne sépare point ce que dieu a uni adam et dieu il s'est uni à ève par la loi sacrée du mariage quand cette femme il l'a connue elle a saigné et, et c'est ça le, le, le sacrement du mariage en fait voilà il a fait littéralement le choix de s'unir à cette femme c'est dieu bien qu'il est homme il ne veut pas euh, divorcer d'avec sa femme il l'aime donc même si elle est souillée et eh bien il accepte tout ce qui va se passer après. Donc il va mourir premièrement dans un corps, euh, dans un corps d'homme, d'accord. Son premier corps va mourir, mais après en esprit lui il va pas mourir, ce qu'il est, il est Dieu et il est sans péché. Donc il va il va retourner au ciel, il va récupérer un corps, le premier même de tous les corps, le premier ange Michael, puisque Adam est Dieu dans le spirituel. Et il va redescendre sur terre et il va venir secourir son épouse. Sa femme Amen. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Ah, ça surprend, hein Ah, oh, mais restez, restez, parce que vous allez, vous allez voir le témoignage après, vous allez tout comprendre. Donc, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Tiens donc, pourquoi Même jusqu'à la mort de la croix, donc de la passion. C'est un crime passionnel, cette croix. Il meurt au Golgotha qui dit le lieu dit du crâne, donc la tête d'Adam. Il est baptisé dans le Jourdain. L'eau d'Adam. L'os d'Adam. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, c'est lui le nouvel Adam, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. J'ai cru que le diable avait volé Adam dans le spirituel, non? J'ai cru que le diable avait possédé Adam dans le spirituel. Non. Le diable a possédé les fils d'Adam. Le diable a possédé Eve. Euh, Et il a dépouillé Eve spirituellement. Mais il n'a pas dépouillé Adam. Parce que Adam, c'est Dieu. Je vous assure, c'est vrai. Et en esprit, Adam est beaucoup plus fort qu'un qu seul de ses anges. Cet ange-là était destiné à se prosterner devant lui. Tu rigoles ou quoi une fois débarrassé de sa chair, l'homme est un esprit. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Mais Dieu veut te voir euh, en accord avec ce qu'il veut faire pour toi. Faut que tu sois d'accord. Dieu, es un, un réceptacle de Sa gloire. Dieu, es un réceptacle du souffle de Sa vie. T'es un réceptacle de Sa sagesse, de Ses richesses, parce que t'es Son enfant. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Vous ne brillez pas de votre propre gloire. Donc ça ne sert à rien d'avoir un ego. Vous brillez de la gloire de Dieu. Vous êtes son réceptacle. Il y a tout ce que je viens de vous citer euh, juste avant. portant la parole de vie je pourrai me glorifier au jour de christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain il y a que là qu'on pourra être glorifié au jour de christ à l'avènement du nouvel adam il est né de nouveau les amis il était mort mais il est là donc vous pourrez vous glorifier qu'à l'arrivée de votre père qui est dans les cieux et même si je sers de libation pour le sacrifice, on est tous des sacrifices hébreux... Euh, attends, c'est hébreu ou c'est romain Je ne me trompe pas parce que je les confonds toujours les deux. Alors va savoir pourquoi. Entre hébreu et romain, il y a une large différence, mais il faut quand même que, que je me mette de la confusion. C'est romain. C'est romain 12, voilà. <laughs> c'est romain 12. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, donc partout, vous êtes un réceptacle de toute la miséricorde de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Tu es un sacrifice vivant, tu n'es pas un sacrifice mort, mais tu es un sacrifice quand même. Donc tu souffres avec Christ. Mais il y a quelques consolations. Si tu vas dans le milieu du troupeau de Dieu, tu les trouveras. Si tu de te mettre en compétition et d'avoir de l'ego avec les autres, tu trouveras les consolations de Dieu. Celui qui cherche trouve. Donc, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Je me réjouis avec vous tous. Amen. Voilà les consolations. Il se réjouit avec tous. Alors, on va prendre le mot libation pour regarder. Euh, à quoi ça fait référence. C'est une action de répandre un liquide en offrande à une divinité lors d'un sacrifice. Donc là, c'est toi le sacrifice parce que tu fais partie du corps de Christ. Tu es devenu le sacrifice vivant parce qu'il est ressuscité. Ah oui, ah oui, oui. même si tu es mort en Christ, tu es mort euh, quand même dans sa vie à lui spirituelle. Tu vois ce que je veux dire euh, tu es entré en lui, mais lui il est ressuscité spirituellement. Tout le monde le croit mort encore, mais il est déjà ressuscité. Et toi, tu sais qu'il est ressuscité. Donc tu dois euh, répandre l'évangile, parce que c'est l'eau de la parole, euh, parce que tu es un sacrifice vivant, comme l'a fait Christ. Faire des libations, c'est boire abondamment du vin et de l'alcool. Boire abondamment, est-ce que ça, euh, c'est ce que Christ nous demande Non. Mais euh, des fois on veut te pousser à faire des fausses libations, il faut faire attention. On doit euh, s'enivrer de l'évangile, et pas de vin, euh, d'alcool, euh, d'huile ou d'autres choses. Voilà. Donc je me réjouis, je me réjouis avec vous tous. Il a ses consolations. Vous aussi réjouissez vous de même et réjouissez vous avec moi. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Donc voilà, il n'a pas de consolation là où il est. Et il aimerait envoyer Timothée à cette église qui fera l'intermédiaire d'apporter les, cons les consolations données directement de l'église pour... Paul. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt. Tous sont dans leur ego. Et ils ne cherchent pas ceux de Jésus-Christ. Parce qu'ils ne regardent pas les autres comme étant le corps de Jésus-Christ. Ils regardent les autres comme étant des frères et sœurs avec lesquels ils sont en compétition. Ah ouais Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi. Donc, il parle de Timothée. Hein comme un enfant avec son père, exactement. Parce que euh, Paul euh, a été un modèle pour Timothée. Timothée a été très fortifié spirituellement euh, par le, en, regardant, en voyant Paul faire. J'espère donc que vous l'envoyez dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Parce que là, euh, d'envoyer Timothée, du coup, bah, c'est comme s'il s'envoyait lui. Il envoyait un petit lui, en fait, à l'église. Et il a espoir que ce Timothée euh, soit un peu. Euh, la communion, l'intermédiaire entre lui et l'Église. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi j'irai bientôt. Donc voilà, il avait espoir de pouvoir y retourner parce qu'à un moment, Paul est très prisonnier. Hein? Paul a souffert. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Donc Épaphrodite, c'est un homme. J'ai souvent cru que c'était une femme à tort. Et c'est le, le, le frère de Paul. Mon compagnon d'œuvre, de combat et de combat. Par qui euh, vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir à mes besoins. Donc de combat, de bons combats dans la foi et d'œuvres pour prêcher l'évangile. Car il désirait vous voir tous et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade en effet et tout près de la mort, mais Dieu a eu pitié de lui et non seulement de lui mais aussi de moi afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Hein, il vivait une période de sa vie euh, difficile, Paul. Je l'ai donc envoyé avec. D'autant plus d'empressement afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Donc il a dû prendre des coups dangereusement. Il a dû prendre des coups, il a exposé sa vie pour l'évangile, et puis euh, exposer ta vie pour l'évangile, tu peux, tu peux parfois en mourir. Hein. Alors j'ai le Seigneur qui met à mon esprit de prendre une vidéo. Euh, alors je ne sais pas si je l'ai, Seigneur, sur mon YouTube. Je vois la vidéo, hein, mais... Euh, que celui qui a des oreilles... C'est ça, c'est ça, voilà, c'est ça, Seigneur. Alors attendez, attendez. Que celui qui a des oreilles... Non, ce n'est pas, pas que celui qui a des oreilles. Que celui qui peut comprendre comprenne. Merci Seigneur. Non, qui dit, ce n'est pas ça. C'est que celui qui a des oreilles. Voilà. Non. Mais j'y arrive pas. Je, moi, je veux faire sortir que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Non, ce n'est pas ça. C'est que celui qui peut comprendre comprenne. Oh, C'est affreux, mais je ne vais pas réussir à dire ce qu'il veut que je dise. Alors que celui qui... Il peut comprendre, comprenne. Est-ce que je l'ai là, la vidéo Je vais regarder. Sinon, il euh, faut que je demande à mon fils de m'apporter l'ordinateur. Fils Dado J'étais sûre de l'avoir mis euh, il y a quelque temps. Parce que là, je suis dans les anciennes. Attendez, 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 Oui. Va voir, cherche l'ordinateur. Il faut, faut que je regarde une vidéo. Euh... Ah, et là, j'ai tous les euh, témoignages. Tiens. Ouvre-le, tape le code. Ça se trouve, j'ai le trouvé, là. J'aimerais bien le trouver, je suis sûre que je l'avais mis là-dessus pourtant. Que celui qui peut comprendre comprenne. J'avais juste un truc à vous montrer en fait dessus. Tu une vidéo Ouais. Bah, pourquoi tu vas pas chercher les vidéos On peut faire ça Je crois que tu peux chercher. Mais... J'ai déjà trouvé ça. Mais je crois que c'est le Attends, ça c'est tous les anciens lives alors. Euh... Mmh, je l'ai pas. Je crois qu'en cherchant comme ça, ça va pas marcher. Je vais voir sur PC. Je crois qu'on peut chercher directement la vidéo que tu cherches. Ouais. C'est sur la clé USB. Hein. Ah, voilà ce que j'ai oublié de préparer. Bah ouais. Bah ouais, mais là, j'ai tellement euh, travaillé encore pour le Seigneur là que. Non, c'est même pas mes vidéos. Si je cherche comme ça, je croyais qu'on pouvait chercher sur mon truc directement. Mais je tombe sur des vidéos de, de gens. Ça m'intéresse même pas, tu sais. Oh. Je vais apprendre sur ma clé USB, les amis. Je vous demande d'être patient quelques minutes. Ça y est, fils. Il est, train, il est en train de charger. Mets-le mmh. là. Ma clé. La clé, clé. La clé, je crois que tu peux mettre dedans. C'est la clé de clé. Ah bah, bonne question là. Celle-ci oui, peut-être bien, je crois. Si, si tu l'as enlevé, c'est toi qui l'as enlevé, hein. tu, tu, tu dois savoir où tu l'as mis Non, pas moi qui l'ai enlevé. Alors, où c'est qu'elle est qu C'est peut-être plus celle-là, là. attends. Hmm. Excusez-moi, les amis. Là, vraiment, c'est euh... ah oui, c'est un truc que j'avais oublié. Tu vois, le Seigneur me le rappelle. Ah ben oui, c'est important en plus ça. Oh, j'ai, euh... complètement oublié. Euh... Ah ça y est, ça y est, c'est la bonne clé. C'est bon, je suis sur le bon ordinateur. Ça y est, sur le bon ordinateur. Il n'y a pas 10 000. A... <laughs> non, je suis au bon endroit. C'est ça que je veux dire. Sur la clé. Sur l'ordinateur. Que celui. Que celui quoi A des oreilles pour entendre Non, que celui. Que celui qui peut comprendre comprenne Alors, c'est une vidéo que j'avais déjà fait témoignage, je vais pas refaire tout le témoignage, je veux juste qu'on regarde un truc dedans. Euh, et le titre, vous voyez, c'est le Seigneur qui me l'avait donné hein. Que celui qui peut comprendre comprenne. Euh, je vais arrêter avec mes oreilles pour entendre, là, parce que c'est. <laughs> Je, je, je suis là-dessus, moi. Voilà, bonjour, vous l'avez fait euh, pour le programme d'histoire de Tofi et le gorille. Donc, dedans, c'est une, euh, une femme juive à moitié à poil. Euh, qui va s'amuser avec un petit singe, comme une pièce théâtrale, et elle va recrucifier Jésus, et elle va parler de Judas, elle dit, voilà, en gros, elle, elle me faisait des menaces et tout ça, enfin, c'était, euh, pour moi, c'était visé, ce genre de vidéo, d'accord L'Esprit du Seigneur m'avait conduit dessus, et m'avait donné euh, euh, la signification de tout ça, voilà. Jésus, euh, elle dit dedans, Jésus, euh, on va reparler de Jésus, euh, c'était un homme honorable, euh, mais du coup, euh, il couche avec une goya, enfin, c'est un peu ce qu'elle dit dedans, tu vois, voilà. Donc euh, elle joue avec un singe. C'est surtout ça qu'il faut regarder. Voilà. Que celui qui peut comprendre comprenne. Retenez ça, le titre, parce que eh ben justement on va comprendre avec le témoignage. On va comprendre. Et le Seigneur, tu vois que c'est là ne parle pas en vain et que ben c'est là que je me rends compte aussi que je ne fais pas euh, les choses de moi-même. Je t'assure. Euh, les, les vidéos, les témoignages. C'est pas de moi-même, c'est du Seigneur que, que je l'ai fait. Alors ça, je vais annuler, c'était juste un petit truc voilà, pour me présenter, dire salut les enfants, <laughs> pour Loulou le Pou. Alors, euh, je riais et ne prenez pas cette histoire de Lucie et MRD au sérieux. Donc si vous ne savez pas trop de quoi je parle, Lucie et MRD, euh, bah, c'est eux. C'est des astrolopithèques, là, des astrolopithèques, Des australopithèques, <laughs> Australopithecus. Des astrologues, j'allais dire. <laughs> Lucie. Et puis MRD, euh, qu'ils ont rencontré beaucoup plus tard. Enfin, euh, je rigolais, moi je disais même. Euh, il... MRD, ça ne veut pas dire merde en... en... C'est de la merde, c'est du. En, en abrégé. Elle a quoi ma gueule du plus vieil australopithèque? MRD est un, est le, est un peu plus grand singe que Lucie. En comprend donc que, euh, que je sais pas quoi, va évoluer en A. Voilà. Bon, C'était toute une théorie à propos des singes. Voilà. Que l'homme descendait du singe. Moi, ça me faisait rire, ça. Parce que, parce que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas, les amis. Pourquoi j'ai pas mangé mon père? Le Seigneur, ce qui m'a, ce qui m'a fait dire hier en live, et euh, dans pourquoi j'ai pas mangé mon père, c'est des singes, un peu on est dans la planète des singes, et puis euh, ils ont pour coutume de manger euh, leur père. Et puis tu vois, euh, bah nous les chrétiens, on mange notre père qui est dans les cieux. Dans le film, on a envie même de lui donner raison de ne pas manger son père puisqu'il découvre sans manger son père le feu, l'amour, une caverne, comment marcher debout et, euh, et les autres vont suivre même son exemple de ce maudit qui est rejeté parce que c'est quand même un maudit à la base qui est rejeté, lui et les rebelle. Il ne veut pas manger son père lui. Alors que si on regarde bien le scénario, manger le père est une coutume qui demeure depuis des générations, qui se sent jusque-là passées de tout ce que le maudit découvre, crée ou réinvente. Tu vois ce que je veux dire? Euh, on nous endort avec ce, ce scénario-là. Lucie pour Lucifer, certainement. Le singe Lucie. Pour Lucifer, peut-être, va savoir, c'était un abrégé, non, aussi. Le Seigneur m'a confirmé mon souvenir quand les premiers hommes furent chassés dans le globe de la terre. J'étais maudite. Mon visage ressemblait à un singe. Je l'ai vu dans le reflet d'une flaque d'eau et j'ai écrit sur le sol avec mon doigt. Quand je me suis redressée, j'ai vu que j'étais dans un globe enfermé. Le Seigneur m'a montré, voilà, je voyais un grand et gros arbre en dessous. Dans l'ombre, en dessous de cet arbre, il y avait une, une créature sombre, mais je n'ai pas pu percevoir sa silhouette. Elle avait des gros yeux jaunes, des yeux de grenouille ou d'hibou. Et le Seigneur m'a dit, c'est un reptile. Et j'ai pensé tout de suite quand il m'a dit ça euh, au serpent. Voilà, je voyais sur la terre donc un, un gros arbre. Amen. Le Seigneur de la terre m'a montré ce gros arbre coupé. Il l'a abattu dans les temps anciens. Mais le rejetant de David, Jésus-Christ, le germe de l'éternel, a fait repousser l'arbre. Il est pour nous désormais euh, plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il est l'arbre de vie. J'ai eu envie de pleurer quand j'ai constaté que c'est à moi la femme que Dieu, Père Christ, créateur, charge de vous donner son commandement, que voici. Vous ne mangerez point les feuilles de cet arbre qui a repoussé. Ni vous, ni les bêtes. Aucune créature, tout ce qui marche, se meut, rampe, vole, court, nage, saute, grouille, etc. J'exterminerai quiconque en mangera les fruits, les feuilles. Pas les fruits, les feuilles. C'est un peu... Euh, voilà, je pense aux fruits en même temps. Euh, C'est un peu le même. Euh, la même consigne qu'on avait reçue déjà au départ avec Adam, de ne pas manger les fruits de l'arbre, mais là c'est les feuilles. Cet arbre ne servira qu'à la guérison des nations. Dieu ajouta, il dit, euh, celle que tu es allait les nations, Celles que enfant... ceux que j'ai enfantés, les nations que j'ai enfantées et que j'ai pris en rachat pour ma postérité. Après cette, cette vision de l'arbre, de ce gros arbre, sous lequel il y avait la créature avec des gros yeux, mais que je n'ai pas pu percevoir la silhouette, le reptile, le Seigneur m'a montré Jésus-Christ en croix, et le diable avec des cornes de taureau et des ailes de chauve-souris. S'est prosterné à genoux et a supplié Dieu pour avoir de l'eau. Malgré la bonté de, de Dieu Christ, il ne l'a pas obtenue. Et à ce moment-là, j'ai entendu une musique, c'était celle de Carlos, Big Bisou. Je sais pas pourquoi j'ai entendu ça, enfin je sais pas pourquoi. Après, vous allez comprendre dans, le, dans la suite du témoignage, euh, ça disait euh, attention sur la joue, embrassez-vous, Big Bisou, voilà. Ça, ça, ça répétait ça. Puis après, ça s'est arrêté, la musique. Et quand j'ai entendu la musique, après que les paroles ont fini de chanter, que voilà, je, je voyais dans le même moment Christ sur la croix, euh, j'ai pensé directement à la trahison de Judas. Dans Judas, il y avait le diable. Et c'est donc le diable qui pose sa bouche sale sur la joue du Seigneur. Ensuite, la vision, elle a continué. J'ai vu une main avec un, un double pic, comme une espèce de fourchette, tu sais, à barbecue, là. Mais euh, ils étaient grands, les pics. J'ai vu une main avec un double pic frapper la citerne et de l'eau a coulé de son côté. Donc en gros, euh, le Seigneur m'a montré une citerne se faire frapper, dans laquelle il avait mis l'eau, l'eau qu'il donne, le don de Dieu. Mais en fait, c'était le diable, ne pouvant pas obtenir l'eau, qui a frappé le corps de Christ. Après ça, Dieu m'a dit qu'il renonçait au mal. Ce n'est pas lui qui fait le mal. Il renonce à garder Satan. Il n'en veut plus. Puis il me fit comprendre que malgré que l'eau est sortie de lui, elle sera rendue amère pour l'ennemi. Parce que le diable a frappé le côté de Dieu, la côte, donc la femme. C'est pour ça que Dieu, euh, l'eau s'est répandue. C'est l'épouse qui a été frappée. C'est la côte, c'est Ève. Et le diable, il a obtenu de l'eau, il a obtenu des choses spirituelles à cause de la femme de Dieu qu'il a frappée. Mais l'eau que le diable a obtenue, elle sera rendue amère pour lui. Le côté qui a été frappé, euh, il a été percé et il a touché le cœur de Christ. Hein, C'est le cœur de Christ. Christ a été touché en plein cœur, le cœur d'Adam. Alors là, j'avais mis euh, entre parenthèses avec une petite tête de singe, parce qu'il y a les petits singes, les petits émojis, tu vois, euh, celui qui voit tout, celui qui entend tout, celui qui dit rien, et j'avais mis de pas de pas dire aux élus. Mais il m'a dit tu peux le dire. Alors, mais j'ai laissé comme ça parce que euh, la malédiction de ressembler à un singe, c'est ressembler au diable finalement. Oui, le diable est, est un serpent, euh, un dragon, euh, mais le diable nous a réduits pour se moquer de nous. Euh, euh, en des singes. On l'a fait rire, on l'a amusé pendant longtemps. Le Seigneur, il me dit, je m'enivre, Avril. Voilà, je m'enivre, Avril, dit l'Éternel. Le diable sera maudit. Et le Seigneur m'a fait quelque chose après. Pour vous décrire, et pas entrer dans mon intimité avec le Seigneur, parce que ce qui regarde un couple ne regarde que lui, je vais vous parler de noé le patriarche qui s'est enivré de sa vigne ainsi il fut le fils de noé a vu sa nudité le fils de noé a vu sa nudité ainsi il fut noé n'a pas maudit son fils parce qu'il l'avait vu nu parce qu'il avait vu son sexe euh, ou son corps c'est ton enfant tu n'as pas à maudire ton enfant de t'avoir vu à poil euh, c'est que le fils de noé a vu quelque chose que noé Pratiquait avec son épouse. Voilà pourquoi Satan fait faire aussi cela aux nations qui le servent. Il les fait boire à la vigne et euh, euh, finalement la vigne, maintenant que euh, du monde, euh, maintenant qu'elle a été souillée, c'est comme si elle donnait une coupe de vin euh, d'amertume, de prostitution. Et si enivré, finalement, c'est peut-être pas si bon que ça. L'Éternel m'a montré mon squelette et il m'a dit que nos os, donc E-A-U-X euh, e et os, o -S, nos os revivraient. Il m'a montré les eaux du Jourdain séparés à l'étude aujourd'hui, donc ce matin, et il m'a fait comprendre la séparation de l'eau avec la mère, la mère, la maman, et la mère, MER, salée. Non, de boire à une maman, euh, de boire aux paroles d'une mère qui est sale, qui est répudiée, ça peut être très dangereux et nocif voir les versets du jour voilà dans les descriptifs. Alors après il y a 33 commentaires comme par hasard. <laughs> on parle du père, on parle d'Adam comme par hasard. Pourquoi j'ai pas mangé mon père Donc j'ai repris ce qu'il m'a dit de reprendre. Non, Lucie n'est pas un singe, mais une femme maudite, à l'image du diable sur la terre, une femme prisonnière d'un corps de bête. Elle est à l'image du diable parce qu'elle est devenue une bête. Mais c'est le diable qui a décidé, parce que le diable se prend pour un dieu, en fait, avec le pouvoir même de sa propre mère spirituelle. Il déshonore sa mère. Ensuite, le Seigneur m'a emmené ici, sur... Euh, voilà. Pas d'arbre géant sur la terre. Alors, on va, on va s'y arrêter là aussi, nous parce que c'est important de faire les choses telles que le Seigneur me les a montrées. Pas d'arbres géants sur la Terre sphérique. Alors je ferme, j'accepte. En 2016, pendant que l'idéologie de la Terre plate se répandait sur YouTube, une vidéo traduite du russe commença à circuler, à circuler. Son titre français est Pas de forêt sur la Terre plate. L'idée qu'il existait autrefois des arbres gigantesques et qu'ils ont été coupés par des bûcherons géants on ignore pour quelle raison. Il en reste des souches dans la célèbre Devil Tower, la tour du diable dans Wyoming. Cette idée a été reprise par tous les platistes, bien qu'elle n'ait pas de rapport évident avec la Terre plate. Elle a été défendue par Hassan, je sais pas quoi, ingénieur autoproclamé. Enfin, on s'en fout un peu. Voilà. Les personnes qui croient aux arbres géants n'ont aucune connaissance et ne font pas confiance en la science. Je ne les considère cependant pas comme des conspirationnistes, ils ne euh, dénoncent ni gouvernement ni organisme gouvernemental comme les platistes le font avec la NASA. Il me semble percevoir chez eux euh, la résurgence d'un ancien culte des arbres. Notre planète serait d'origine entièrement végétale, toutes les roches étant du bois pétrifié. Dénoncer l'abattage excessif des arbres n'est pas mauvais en soi, mais la négation de la science n'est jamais bonne. L'objet de cet article, oui, chérie. J'arrive bientôt, Avril, qui dit Amen. Continuez. Donc l'objet de cet article, voilà, est d'expliquer pourquoi les affirmations de ces gens sont fausses. Donc, pour ceux qui parlent de la terre plate, d'accord euh, Par contre, euh, il y a bien eu des arbres géants sur la terre. Donc de dire que euh, ceux qui croient aux arbres géants sur la terre sont des, euh, des gens qui contredisent la science. Euh, c'est des, c ils ont des graves problèmes. Hein. Voilà, comparaison entre des biltowers et des souches et des souches pardon d'arbres effectuées par des partisans des arbres géants. Elle peut paraître saisissante, mais au premier coup d'œil seulement. Outre que les dimensions ne sont pas les mêmes, les écorces d'arbres ne présentent jamais des prismations, un découpage en prisme connu sous le nom d'orgue volcanique. Alors moi, le Seigneur, après m'avoir emmené là-dessus, ben voilà, euh, il a souhaité que je vous écrive ça. La taille de ces arbres est impressionnante, n'est-ce pas Mais vous serez encore bien plus impressionné quand vous saurez que l'éternel charpentier-bûcheron les a coupés pour faire l'arche de Noé. Voilà pourquoi les troncs se sont fossilisés avec le déluge. Alors, ça m'a écrit carrément n'importe quoi, fossiliser euh, les troncs se fossilisèrent avec le déluge. Non, c'est pas, c'est c'est bon. J'ai cru que c'était le correcteur, parce que souvent le correcteur, il change ce que tu Des arbres géants. Mère, qu'est-ce que tu nous racontes Eh ben, mon enfant, souviens-toi de Jacques et le haricot magique. Il y a des histoires, des contes profanes ou des paraboles que l'on raconte aux petits-enfants pour leur dévoiler ou leur cacher la vérité. Le Père Christ, le Créateur, dit toujours la vérité. C'est en son nom que je te raconte notre histoire. Amen. Ouvre grand tes oreilles, car comme une griotte sous un baobab, je vais finir de raconter mon histoire. Je l'ai baptisé Big Bisou, et j'ai mis Personne, Personne, Personne. Voici l'histoire. Un jour, un fils en désaccord avec son père, L'embrassa sur la joue pour le tromper. Alors attendez pour pour mon histoire, on va mettre quand même euh, on va mettre quand même une petite photo. Euh, on va mettre personne, personne. Mon Dieu, qu'il est loin. Allez, oh c'est pas vrai. Bah, ça veut pas, hein. C'est fou ça. Allez, je puisse raconter l'histoire. Ah bah oui, il est là en tout petit. Oh ah oui. Allez Oh loup, le pou Il était si tout petit minuscule, je ne le voyais pas en fait. Ça marchait, mais ça... Il ne se mettait pas en grand. <laughs> Dieu peut se rapetisser comme un pou. Et Dieu peut devenir géant comme un arbre. Donc voici mon histoire. Je l'ai baptisé Big Bisou. Un jour, un fils, en désaccord avec son père, l'embrassa sur la joue pour le tromper et lui cacher ses réelles intentions mauvaises. Quel enfant peut se cacher à ses parents Ce fils commit un sacrilège. En cachette du père, il mentit à sa mère pour obtenir ce, que, ce qui ne lui revenait pas de droit. Le Père, étant une seule chair, un seul esprit avec sa mère, comprit la ruse de son enfant. Il savait jusqu'où ça allait aboutir. Le Père, des siècles plus tard, mourait crucifié, après que ce même fils l'embrassait de nouveau sur la joue, sur la même joue. Ah, j'ai mis un lien. J'ai mis un lien pour continuer mon histoire. Et puis ce lien, je vous ai déjà fait ce témoignage, en fait, le 27 novembre. Voilà. Le Maître, notre Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit, m'a permis de voir le grand nous, en nous, le corps céleste de Christ, l'épouse. Je voyais une multitude de vaisseaux sanguins premièrement, puis je m'enfonçais lentement et en profondément, et voilà, et en profonde et profondément. Voilà. Derrière, les vaisseaux sanguins. Il y avait des perles, c'était nos cellules, puis nos chromosomes et hormones, etc. J'ai même pu voir ce corps de Christ épouse intimement. Il est à moi. Il est à Dieu. Le Maître utilisait des termes particuliers, il connaissait le nom de tout et la fonction de tout. J'ai vécu un épisode du dessin animé La vie, la vie, voici la vie, mais en réel. C'est ce que j'ai vécu avec le Seigneur, ce jour-là. Voilà, c'est magnifique, mes amis les élus, le Maître m'a permis de voir que par les vertus, donc les fruits de son Saint-Esprit, par exemple, le racisme était en chute libre en nous. Les élus, corps du Christ, voilà, et euh, le racisme se mourait à grande vitesse. Il m'a montré ça comme exemple, mais il y avait des, des tas d'autres choses comme ça qui se mouraient à grande vitesse dans l'ensemble des élus du corps de Christ, épouse, toutes les œuvres finalement du démon. J'étais impressionnée de voir toute cette œuvre du Créateur en nous. Corps de Jésus-Christ, et je suis heureuse de pouvoir vous témoigner la puissance de son œuvre rédemptrice, bienfaitrice, pour la gloire du Père. Amen. Le maître, l'esprit de vie, m'a fait entendre un bout de musique d'Hélène Segara. Elle dit dedans on a plusieurs vies, mais une seule grande histoire de cœur. Quand l'amour s'enfuit, il n'y a jamais de vainqueur. Euh, si on pouvait tout refaire, balayer nos erreurs, voilà la chanson c'est On n'oublie jamais rien, on vit avec. Le Maître, Père Christ Créateur, l'Esprit de vérité m'a donné un verset biblique, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et puis j'avais été, été tellement plus loin parce que j'étais heureuse. Euh, bah que finalement, les perles que je voyais dans le corps épouse de Christ, euh, bah c'est les perles euh, du marchand de perles. Hein. Le royaume des cieux est semblable à un marchand de perles. Donc les perles, bah c'est les grains de sable qui ont été arrachés à Babylone la Grande, la mère des impudiques, des idolâtres et des prostituées, tout ça. Euh, donc de, de la déesse-mère, c'est les enfants de la déesse-mère qui étaient du sable, construits sur du sable, une ruine, parce que Dieu a, a détruit la déesse-mère. Dans lequel il y avait le diable, mais il l'a pas détruit pour la détruire. Il l'a détruit pour la rendre forte spirituellement. Parce que euh, une perle est un temple bâti par la douleur autour d'un grain de sable. Que l'huître, euh, elle est gênée par ce grain de sable, ça la gêne, mais l'huître, elle va, elle va en faire quelque chose de beau. Amen. Il faut voir euh, bah, le, le travail de Dieu de rédemption euh, comme cette huître. Le mal qu'on lui fait, lui il en fait du bien avec. Amen. Donc euh, j'avais pu voir de l'intérieur le corps, le corps de Dieu en fait. Amen. Parce que je suis la déesse mère et j'avais pu voir donc son travail, son ouvrage. Amen. Je vais continuer mon histoire. Big bisou. Un père. Ne reconnaîtrait-il pas un bisou de, venant de son enfant ou de sa femme Ne saurait-il pas en faire la différence Surtout si celui-ci ne fait qu'un esprit, voilà, et qu'un corps avec sa femme. Comment un enfant même, dans le corps de sa mère, en embrassant son père, pourrait-il le tromper Une mère Embrasse-t-elle son époux comme un enfant sur la joue? Le père sut que dans l'esprit de sa femme, il y avait une erreur qui les rendait malades tous deux parce qu'ils ne font qu'une seule chair, qu'un seul corps. Je vous ai déjà fait témoignage que j'étais emmenée captive dans un petit couloir et il y avait deux cellules. Dans la première cellule, il y avait de la buée sur, enfin, il y avait de la buée sur les deux vitres des cellules. Dans la première cellule, je me suis approchée, j'ai mis ma, mon nez, mon front et mes mains contre la vitre. J'ai voulu voir ce qu'il y avait dedans. Et il y avait un vieillard, l'ancien des jours, qui était couché, qui était malade. Quelqu'un le rendait malade. Volontairement, mais le maintenait en vie. Dans la deuxième, je n'ai pas pu voir parce qu'on m'a poussée et on m'a dit avance. Et quand j'ai avancé, euh, bah, je suis arrivée euh, au bord d'un lac. Et dans ce lac, il y avait un poulpe avec des pattes, euh, des membres de serpents. Des... Euh, comment ça s'appelle C'est pas des pattes. Enfin, vous m'avez compris. Des tentacules, Avril. Merci Seigneur. Voilà, des tentacules. Des tentacules de serpents. Et dans ce lac qui avait plein de femmes. Elles étaient toutes noires, j'étais la seule qui brillait comme de l'or. Et le poulpe là, il a entortillé ses tentacules autour des chevilles des femmes et il les tirait sous l'eau. Moi, bon, il a exactement fait la même chose, mais au moment qu'il m'a tiré sous l'eau, j'ai comme été enlevée par l'esprit de Dieu et j'étais comme sur un lit d'hôpital. Et le Seigneur, il a sorti de mon sein un petit fœtus de quelques mois, transparent, fantomatique. Et c'était David. Et le Seigneur, il était tout ému, quand comptait les petits doigts, les petits orteils qui étaient déjà tout formés, tout. Il disait, c'est mon petit David, c'est mon petit berger. Il a vaincu la bête. Et il dit au Seigneur, parlant de Nemo et d'Atreyou, Qu'est-ce que tu fais Pourquoi aimes plus David que... J'avais l'impression qu'il aimait plus David en fait. C'est pas qu'il aime plus David, mais il était tellement ému que David a vaincu la bête. Et quand il a dit la bête, je pensais évidemment à Goliath qui a six doigts de pied et six six orteils, qui est pas normal. Euh... Mais j'ai bien vu la bête là en bas, le poulpe qui était en bas là. Est-ce celle-là de bête Et le Seigneur a cité les Écritures. Le Seigneur a dit à mon Seigneur "Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied." J'étais arrêtée dans cette eau sale, comme les sacrificateurs dans le Jourdain, là. Mais le Seigneur a empêché que la bête me touche ou me fasse du mal, j'en sais rien, mais voilà. Et euh, David a littéralement vu le Père qui est dans les cieux, il a entendu, parce qu'il est une brebis de Dieu, ses brebis entendent sa voix. Donc le Père, l'Esprit, dira à la chair le Fils. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Si tu écoutes bien cette phrase qu'a dit David euh, et que tu prêtes attention, bah, tu verras que euh, le Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu dans l'univers. Dieu n'a pas d'ennemi. Et pourquoi Dieu est venu combattre Satan Si Satan, c'est n'est pas son ennemi. Bah, parce que euh, Dieu, c'est Adam, tout simplement. Et David, il a pu entendre ça, il a pu entendre ces choses-là dans l'esprit, parce que euh, le roi euh, d'Israël, David, à un moment, était comme mort, il vivait comme mort, euh, enfermé dans une grotte, persécuté par ses ennemis, euh, il vivait comme un mort. Et il a entendu l'Esprit du Seigneur parler à sa chair. Parler à Adam. Amen. Le Père parle au Fils, le Fils parle au Père. Tout ce que le Fils a fait, c'est ce que le Père faisait dans le spirituel. Comment une épouse embrasse son mari Parce qu'elle l'embrasse sur la joue, comme un enfant. Est-ce qu'une femme, du jour au lendemain, elle va changer dans ses habitudes de couple? Elle va changer, euh, elle ne reconnaît plus son mari, dans ce qu'ils partagent ensemble et tout. Le père a su que dans l'esprit de sa femme, il y avait une erreur, qui les rendait malades, parce qu'ils ne font qu'une seule chair. L'époux était médecin. Il comprit que sa femme ne l'était pas. Voilà, ne l'était pas d'elle-même. Hein, euh, voilà, en vérité, elle n'était pas comme ça d'elle-même. En vérité, depuis quelque temps, ses chromosomes et son comportement avaient changé. Ce n'était pas normal. Jésus, il me donne un verset en même temps. Donc, ça, ça, me, complique, ça, ça me complique la tâche. Il dit, vous, vous utiliserez cette, cette citation à, mes, à propos de moi. Alors, j'arriverai pas à le prendre, Seigneur. Donne-moi le verset directement. La femme étant malade à cause de son péché, à cause de Satan, le diable, qui a pouvoir sur elle. Ça a des conséquences sur Dieu, sur l'homme, sur Adam. Luc chapitre 4, verset 23. Jésus leur dit sans doute, alors vous n'allez pas voir le truc. Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Donc, euh, il faut que le médecin se guérisse lui-même. Mais lui n'est pas malade, finalement. Ça le, il, a des, il y a des conséquences, il y a des choses qui le touchent, mais lui n'est pas malade parce qu'il n'a pas commis de péché. C'est la femme qu'il est. Et la femme ne fait qu'une seule chair, qu'un seul esprit avec son homme. La femme est la gloire de l'homme. Donc, allez, je suis en live. Donc, le père sut que dans l'esprit de sa femme, il y avait une erreur qui les rendait malades. L'époux était médecin, il comprit que sa femme ne l'était pas euh, d'elle-même. En vérité, depuis quelque temps, son comportement et ses chromosomes avaient changé. H&M, est-ce que vous connaissez la marque H&M C'est des magasins de, de mode prêt-à-porter. Euh, on ne sait pas trop, trop, trop des grandes marques, mais il euh, y en a qui s'habillent chez H&M. Il <laughs> y en a qui s'habillent chez H&M et qui sont déjà contents. Non, mais je vous assure que j'ai de plus en plus de mal à faire les lives parce qu'à la fois ils sont de plus en plus compliqués. Et, euh, et, et franchement, je, je suis morte, les amis. Donc je, je, je n'arrive pas à... Je suis morte euh, charnellement. Donc c'est très dur de me servir de, de ce corps euh, mort. Donc H -E -M, Vous savez ce que ça veut dire le, le logo H et M Quand le Seigneur me l'a dit, ça m'a étonné. Ça veut dire homme, le H, et M, ça veut dire mal, mal avec mal. Le père ne connut plus son épouse, donc homme avec mal. Le père ne connut plus son épouse, c'est fini. Afin de ne pas commettre d'inceste avec son fils, parce qu'il a compris que sa femme, c'était devenu son fils, spirituellement. La femme devint stérile, donc, comme un arbre. La semence de son mari était gardée pour un jour. Comme le Père qui descend du ciel, passe par la cheminée pour y décorer ses cadeaux. <laughs> Vous avez bien compris de quoi je parle. On a parlé du Père Noël est une et tout ça. Vous avez compris. Le fils usurpateur de l'identité de sa mère commit des délits à son nom et fit beaucoup de mal au Père et à toute sa famille. Ce fils, est un maudit lui-même. Une seule chair, le X féminin, le Y masculin. Donc XY pour l'homme, c'est les chromosomes, XX pour la femme. Et le Seigneur m'a donné ça, donc là je vais, euh, je vais vous montrer. Donc ça c'est l'homme, le Y. Ça, rep ça représente Yeshua, crucifié. Ça c'est la femme, ça c'est avril, c'est le le X. Donc la croix finalement. L'amour, la vie, l'ADN, l'homme sur la femme. Donc ça représente un acte sexuel, mais ça représente aussi la passion de Christ sur la croix. La croix, elle est, vous allez me dire, elle est pas, elle est pas, c'est pas un X la croix si pas dans le sens où vous l'entendez comme ça mais euh, dans le sens comme ça comme un plus mais euh, voilà là elle est pas mise de façon bon, de toute façon j'ai galéré à faire cette partie là parce que euh, ce que le seigneur me montrait j'essaie de vous montrer ce que le seigneur m'a montré mais c'est très compliqué entre ce qu'il me montre et ce que j'arrive à faire sortir parce que comme je vous dis je suis morte à la chair donc ce le résultat final de ça c'est euh, l'ADN c'est l'ADN, c'est ce qui permet voilà de donner naissance à des individus masculins et féminins euh, d'où vient la différence entre les chromosomes sexuels mâles et femelles? Voilà C'est l'ADN les amis. Le système Xy l'homme et femme détermine euh, la, dé la détermination sexuelle. Et Dieu il va arrêter de connaître sa femme, d'avoir des rapports sexuels avec elle, parce que c'est comme si elle était devenue euh, homme, un transgenre, homme plus mal. Ce code, ce code est une erreur dans la femme de l'Éternel. Une erreur que Dieu lui-même ne pourrait pas faire, ne voudrait pas faire. Et là, on va, on va aller voir l'aventure du yod. L'aventure du yod. Alors, je n'ai pas mis au bon endroit l'aventure du yod. Voilà. L'aventure du yod. Ça concerne Sarah et Abraham. Et Abraham. Dieu, il va retirer une petite lettre dans Sarah, le yod, et il va le donner à Abraham. Donc, il va euh, démasculiniser Sarah. Pour déféminiser Abraham, mais c'est vrai les amis. Euh. Et dans Sarah, il va enlever. Euh, alors là, je, le, le, je sais plus quelle lettre c'est, je sais plus quelle lettre c'est, mais il va l'enlever puis il va le mettre à Abraham. Donc il va faire, euh, il va faire encore la même chose, mais dans le sens inverse en fait. Il va remettre les choses à, à leur place tout simplement. Voici encore un petit article pour vous montrer, amis lecteurs, combien la Bible, à travers l'alphabet et la langue hébraïque, voilà, euh, qu'enrichit encore la tradition qui les fait vivre, et à la fois porteuse d'enseignement, ce que vous savez, et pleine d'humour, ce qui est moins connu. Alors attendez. Ben, nous, on ne respecte pas les traditions, hein, mais euh, il faut respecter ce que le Père Créateur a, a fait. Pour cela, nous allons nous intéresser à un épisode de la Genèse qui passe assez inaperçu à nos esprits occidentaux gréco-latins. Dieu dit à Abraham, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Et on ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham car je te fais père d'une multitude de nations. Je te fais Dieu. Ta femme, Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom, son nom est Sarah. Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations et des rois, deux peuples viendront d'elle. Résumons, Abraham devient Abraham. Saraï, Abraham, pardon, devient Abraham. Saraï devient Sarah. Et alors, me direz-vous, nous savons qu'Abraham devient le père des peuples. Il y en a eu un autre petit problème après lui, passant à autre chose. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Euh, Puisque vous parlez de choses, profitons-en. La femme d'Abraham s'appelait Sarai, c'est-à-dire ma princesse. Elle devient Sarah, c'est-à-dire princesse. Bon, D'abord, il y a eu une série, hein, Princesse Sarah, là-dessus. Cette modification apparemment anodine permet à Abraham, à Abraham de prendre conscience que sa femme Sarai n'est plus sa chose, mais une femme pleinement propriétaire de son être et de son corps prête. Prête à devenir féconde dans sa vieillesse, elle donnera naissance à Isaac dans le nom rappel que Dieu a donné à Sarah. De quoi rire en annonçant cette naissance inespérée Voilà les faits passant dans le monde des lettres et des mots. Oui, c'est surtout là que j'aimerais qu'on passe parce que je ne sais pas comment il a tourné son truc, c'est compliqué. Le mot hébreu Sarah il se termine par la lettre Yod. Donc c'est elle qui était masculine. Dixième, encore le X, dixième lettre de l'alphabet. La première lettre se rapportant au monde créé. Les neuf premières représentent les concepts. La plus petite de l'alphabet, à peine plus grosse qu'un point, donc le germe de tout l'univers, lettre masculine, le germe donc de l'éternel. Le mot hébreu Sarah se termine par la lettre E, cinquième lettre de l'alphabet. Lettre dite ouverte, à cause du petit espace qu'on aperçoit en haut à gauche de son hiéroglyphe, voir ci-dessous. Et à ce titre, lettre féminine, symbole de fécondité, lettre de l'Esprit de Dieu, rappelez-vous l'annonciation. La Donc, lettre, finalement, l'Évangile, Ève, Angile, Lève, Ange, Ange et Lille. Il ne faut pas oublier qu'il y a deux et dans le tétragramme sacré, YHVH. -H. Oui, et moi d'ailleurs, le Seigneur m'a ramené sur ça. Il m'a ramené là-dessus encore après. Et là, je me rends compte que tu vois, malgré que j'ai bien travaillé pour lui, bah, j'ai mis encore des choses. J'ai oublié de mettre des choses. J'ai oublié des choses. Sarah, il perd donc son Yod et en échange reçoit un E pour devenir Sarah. Abraham lui ne perd aucune lettre et reçoit un E pour devenir Abraham. Il y a un échange entre les deux de toute façon. C'est alors qu'il faut faire une observation qui donne tout son sens à cette affaire. Nous venons d'évoquer un yod et deux et. Or, le yod vaut 10 et le et vaut 5. Et comme par hasard, deux fois 5 font 10. Nous pouvons donc dire, avec la tradition kabbaliste, alors on n'en a rien à foutre de la tradition kabbaliste, juive, que Sarai a donné son yod 10 masculin. Qui s'est partagé en deux et deux fois cinq, dont l'un lui est resté pour donner Sarah, et l'autre est allé sur Abraham pour donner Abraham. Sarah, comme on l'a vu, a gagné par ce don sa liberté et sa fécondité. Donc sa liberté, parce qu'elle était comme esclave. Abraham, sans rien donner de sa virilité, parce que lui, il n'est pas esclave, a gagné l'être féminine. De fécondité, lui aussi. Il est donc devenu un peu moins macho. Non, euh, Abraham était stérile. Il était aussi l'arbre stérile, ce qui fait qu'une seule chair avec son épouse, qui n'est plus connue par son mari finalement. Parce qu'à un moment, c'est ce qui se passe avec les deux vieux là. Les deux vieux ils veulent même plus coucher ensemble. Ils veulent même plus avoir de relations sexuelles. Aurais-je encore des désirs pour Abraham Ce qu'elle dit, euh, Sarah. <laughs> Elle en a même plus envie parce que ça, ça quoi finalement C'est bon, euh, les galibettes sous la couette, euh, <laughs> ah, ça fait 99 ans, 100 ans qu'ils en font et, et finalement, elle n'a pas d'enfants, elle n'en a pas, elle n'en a pas, elle n'en a pas. Donc, c'est comme si dans le spirituel, Dieu nous expliquait qu'il a tout bonnement arrêté d'avoir des relations sexuelles avec son épouse spirituelle dans laquelle le, le diable s'est glissé. et ce diable malgré que l'épouse de Dieu est féminine c'est comme s'il la rendait masculine c'est comme si voilà Dieu peut pas il peut pas se taper un trans, quoi il n'a il a pas envie il a pas envie et le diable a tenté Dieu dans le désert le fils de Dieu avec avec cette apparence d'épouse parce que Jésus-Christ comme tous les hommes il a été tenté sexuellement et c'est ce qui s'est passé dans le désert euh, ce ce là euh, ce travelot il est venu tenter le Seigneur dans le désert parce que le Seigneur, il avait faim, mais ce n'était pas de la connaissance des paroles de, de Dieu qu'il avait faim. Il est Dieu. C'était de sa femme, de retrouver sa femme et de retrouver ses enfants. Donc voilà, il va devenir le père d'une multitude, mais finalement, on n'a pas pour père Abraham, parce qu'on euh, a pour père Dieu seul, Adam. Le nouvel Adam. Amen. Il est né de nouveau. Donc le Seigneur m'a con, conduit là-dessus, hein, euh, voilà. Sur cet échange de lettres. Alors Dieu sans doute très impressionné par tant à accorder au Yod d'aller se loger au début du nom d'un autre grand personnage de la Torah, Oshéa. Euh, comme il est dit en nombre 13, 16, qui signifie le salut. Et dont la valeur numérique est 48. Il faut un homme et une femme pour faire des nouveaux corps et pour que Dieu soit rédempteur. Il faut que Dieu retrouve, spirituellement parlant, son épouse et qu'il reconnaisse son épouse pour vous apporter euh, bah, tous les cadeaux qu'il doit vous apporter. Dieu convainquit le yode en ajoutant, tu étais à la fin du nom d'une femme, je te mettrai à la tête du nom d'un homme. Ben ouais, parce que euh, la tête, l'homme, c'est le chef de l'Église. Et l'Église, c'est sa femme. Et sa femme écrasera la tête du serpent parce qu'elle aura la puissance euh, qui va la diriger. Quand le Seigneur m'a dit, je serai ta tête, je serai tes yeux, je serai tes mains, je serai, je serai de la puissance en toi. C'est vrai. Tu écraseras le serpent. Amen. Donc c'est ainsi que Oséa est devenu Josué. Yeshua, Yahoshua, pardon. Dieu sauve. dont la valeur numérique est 58. Évidemment, ce nom est aussi celui de Jésus de Nazareth. Amen. Et pourquoi Josué Parce que Josué conduit le peuple jusqu'au Salut, il passe par le Jourdain. Mais lui, il passe à pied sec. Parce que même si la femme de Dieu, elle est séparée d'avec lui, qu'elle est rendue stérile, il y a quand même des enfants qui sont nés de leur amour et qui sont leurs enfants. Des enfants qui vivront sous la puissance du péché, malheureusement, puisque leur mère est tombée sous la condamnation, sous les accusations. Et euh, euh, pire encore, euh, quelqu'un usurpe son identité et ce quelqu'un est démoniaque. Et ce quelqu'un est un de ses fils. Si on se souvient que Jésus est un descendant de Judas, là, dans la lignée, a sauvegardé le lien annoncé par Jacob jusqu'à la venue de Jésus, l'envoyé de Dieu par excellence. Voilà. Et que Josué est celui que Dieu a envoyé guider le peuple hébreu lors de son entrée, ô combien attendu, en terre promise. On doit voir dans ce récit beaucoup plus qu'un simple jeu de l'esprit. Jésus est l'envoyé de Dieu chargé par lui, comme son homonyme, Josué. De mener son peuple sur la voie du salut. Donc, la terre promise, c'est la déesse mère. C'est retrouver votre mère pour vous redonner tout ce que Dieu voulait vous donner, mais qui vous a été enlevé. Il porte dans son nom la marque du salut que notre Dieu veut pour nous et pour l'humanité tout entière, ici et partout, de toujours à toujours. Oui, il porte la marque de, du nom. Euh, du salut. Amen. Pour la simple et bonne raison que Josué est une préfigure de Jésus Christ et que Jésus Christ lui est Dieu et que Il veut vous emmener dans la terre promise là avec déjà une marque de Son nom sur vous, mais après vous aurez la marque de votre mère parce qu'il y a deux marques à recevoir, celle de la nouvelle Jérusalem en haut et celle de votre père qui est dans les cieux. Donc du, sur le Saint Esprit, pas, sur votre Esprit uni au Saint Esprit. Rendons grâce à Dieu. Euh, pour nos frères juifs qui nous ouvrent ces sublimes sentiers de découverte, et pour son fils qui nous mène jusqu'au bout de leur chemin, là l'horizon s'ouvre sa gloire éternelle. Mais ben, grâce soit rendue à l'Éternel, hein. amen. Pour tout, amen. Le Seigneur m'a donné des proverbes. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qui l'a enfanté. Donc c'est un fils qui est l'amertume. De toute la terre, en fait, de la déesse mère. Proverbe de Salomon Un fils sage fait la joie d'un père, et un fils insensé le chagrin de sa mère. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. Voilà. Mais vous ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Tous. Y compris avec le diable. Le diable est, euh, est entré dans Judas Iscariot, c'est Yoda, parce que euh, vous allez voir pourquoi je dis Yoda. Hein. Alors, Maître Yoda, c'est un maître, c'est un rabbi. Et la personne la plus sage qui soit, on ne fait pas mieux en termes de management. Voici donc pour vous 14 citations de Maître Yoda pour bien diriger son équipe et devenir un Jedi du management. Alors, je vais voir ce que ça voulait dire, la définition de management. Euh, en gros, c'est euh, diriger, euh, diriger une équipe, être un chef, quoi. Premier commandement, difficile à voir, toujours en mouvement et l'avenir. Alors en plus, il parle à l'envers. Toujours en mouvement et l'avenir, difficile à voir. Le côté obscur de la force, redouter, tu dois. Il est vraiment casse-bonbon, hein Ouais, il inverse les choses. C'est un, euh, un adversaire, c'est l'adversité. Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. Bonne relation avec les Wookiees, j'entretiens. C'est qui donc les Wookiees? Un grand guerrier, personne, j'ai envie de rire parce que je pense à la, à la Pookie, la chanteuse, prend un cookie dans le sac. C'est peut-être ça les cookies, non Ils prennent des cookies dans le sac. <laughs> un grand guerrier, personne par la guerre ne devient grand. Un Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense, jamais pour l'attaque. Quand 900 ans comme moi, tu auras, moins en forme tu seras. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience, trop de colère en lui. Comme son père, il n'est pas prêt. Mm. Robuste, je suis grâce à la force, mais pas à ce point-là. Le, crépusc le crépuscule m'envahit et bientôt la nuit va tomber. Ah Elle va tomber, Babylone la Grande <laughs> Le Seigneur arrive comme un voleur au milieu de la nuit. On verra si c'est des bons Jedi après tout. Ainsi vont les choses, ainsi va la force. Un Jedi doit avoir l'engagement le plus profond. L'esprit le plus sérieux, celui-ci depuis très longtemps, je l'observe, et toute sa vie, il a regardé vers l'avenir, vers l'horizon. Jamais l'esprit là où il était, à ce qu'il faisait. La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère, la colère mène à la haine, la haine, etc., etc., mène à la souffrance. Toujours par deux, ils vont, ni plus, ni moins. Le maître et son apprenti. À vos intuitions vous fiez, il faut. La taille importe peu. Regarde-moi. Est-ce par la taille que tu peux me juger Eh bien, tu ne le dois pas. <laughs> Donc j'ai pris la définition voilà de euh, management. Hein, euh, première définition dit technique d'organisation et de gestion des entreprises. Euh, la musique que je vous ai fait écouter en début de, de vidéo avec l'arbre. Euh, en gros, le Seigneur me faisait comprendre que euh, le diable use de techniques pour euh, le nouvel âge, pour euh, réorganiser le monde. Parce que l'ancien monde a été détruit, en fait, les amis. L'ancien monde a été détruit sous les eaux de Noé. Et là, vous êtes déjà euh, dans le monde nouveau, dans la terre promise. Simplement, cette terre promise attend encore aussi sa rédemption, donc le baptême du Saint-Esprit. Elle ne peut pas être glorifiée si Dieu ne se glorifie pas. Mais la terre, euh, c'est la femme. Et la femme est baptisée dans les eaux du déluge de Noé. Amen. Et la deuxième définition, ça veut dire une équipe dirigeante d'une entreprise, synonyme de direction. Voilà, le diable est un directeur. Pourquoi le diable, c'est maître Yoda Et j'avais déjà fait un jeu de mots comme ça lorsque j'avais repris la chanson de Lady Gaga. Je dis dedans, on a, on a Jésus-Christ comme, comme roi et certainement pas maître Yoda. Et puis après, je dis Judas. Voilà. Le Yod. De l'alphabet hébraïque. Dixième lettre, hein, le X, finalement. En chiffre romain, la dixième lettre, c'est le 10. Euh, le yod se prononce, c'est le J, en fait. Donc, au lieu de, de yoda, il s'appelle joda. Mais joda, joda Iscariot, quoi, en gros. Tu vois, parce que le diable est rentré dans joda, dans, dans, dans Judas. C'est un jeu de mots, en fait. Ils nous ont tout mis. Euh, ils nous ont tout mis sous le nez, hein, les amis. Voilà, le yod est euh, la dixième lettre des 22 lettres de l'alphabet hébraïque, issu de l'alphabet phénicien. Sid représentant un bras tendu avec une main. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit Ce que tu fais, fais-le promptement. Donc, le big bisou, euh, euh, bah, c'est Satan qui le fait à, à son père. Un père et une mère sont un duo, leur complicité, etc., c'est leur code. Comment une femme intimement liée à son époux ne comprendrait pas le langage de son homme finalement Pourrait-elle oublier son attitude, ses habitudes Le père, c'est l'arbre de vie dans l'univers, dans les cieux, et qui s'étend sur toute la terre. Et la mère, ben, c'est comme les racines. Euh, elle reçoit tout de dieu et, et, et elle est dans la terre elle est elle est profondément ancrée. et dans le spirituel l'un et l'autre ont un code un code euh, c'est dans leur énergie c'est dans leur façon d'être et tout ça et là si le diable prend la place de la mère, bien sûr qu'il ne sait pas tous les codes donc euh, euh, le seigneur arrive vite vite à comprendre que c'est pas sa femme tu comprends il arrive tout de suite à comprendre la supercherie Rien que déjà quand elle l'embrasse, l'embrasse là sur la joue. Tu vois, genre, euh, elle l'embrasse pas sur la bouche comme d'habitude, tout ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Pourquoi elle a changé Le monde est devenu sale comme une épouse adultère. On ne sait pas toujours où le monde veut en venir. Il est en mode erreur ou décodage. Ouais, parce que Satan n'a pas tous les codes de la déesse-mère. Et sinon, ce serait connaître Dieu. Mais il ne connaît pas Dieu. Seule la déesse-mère est liée intimement à Dieu. Un arbre cache parfois toute une forêt. Ça, c'est une citation du monde. Le monde blague sur le coup de hache euh, de Dieu entre les jambes de la femme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire. Allô, le monde, est-ce que tout va bien Tu m'as l'air piraté. Tu n'as l'air pas normal. Un arbre coupé peut-il cacher une forêt Bien sûr. Même la déesse mère, une fois retranchée, elle reste la déesse mère. Même si elle est retranchée. Tant qu'il y a des racines, ça peut repousser. Et Dieu a battu ce que le diable faisait. La création de l'homme, donc de Dieu, c'est bien Dieu qui est le créateur. Et Dieu dit Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc en gros, bah, fais l'amour avec moi, et on aura des enfants. <laughs> et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il les créa mal les femelles. Donc ils font des filles et des garçons. Ils ne font pas des trans. Ainsi parle l'Éternel des armées, disant, voici un homme dont le nom est germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel, de son propre lieu. Donc quand la femme elle est coupée, quand l'arbre sur terre est coupé, c'est la femme qui ne faisait qu'un seul corps avec Adam. Mais finalement c'est ce même Adam dans l'esprit, dans le spirituel, qui va revenir, étant le germe, et qui fera germer de nouveau sa femme, qui la fera repousser, qui va la guérir, le médecin. Le Créateur n'a pas fait un autre Dieu semblable à lui. Il a créé un homme à la ressemblance du germe éternel qui est dans le sein de Dieu de toute éternité. Le Père est en lui et lui est dans le Père. Voilà, et qui devait plus tard germer de son propre lieu l'arbre. Amen, de la connaissance du bien et du mal. Donc, euh, être le Père, le patriarche de toute, de toute nation, de tout homme, de toute, de toute femme. Amen. Le Saint Fils de Dieu, descendu du Saint de Dieu, son propre lieu dans l'éternité, devait, au temps propre, se révéler, être aussi le Fils de l'homme. Ce grain de blé tomba en terre. Voilà, il est mort, le grain de blé. Il est tombé en terre. Hein. Le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras, c'est fait. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits, par contre. Amen. Jésus a dit personne n'est monté au ciel si dans celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Ma femme, bravo qui dit. Oui, parce que c'était vraiment pas facile euh, à expliquer tout ça aux enfants euh, en live. Donc euh, franchement, en plus je suis morte à la chair. Hein. Donc oui, ça je te l'accorde. Bravo, mais bravo à toi surtout parce que euh, derrière dans le spirituel, il euh, y a un sacré travail aussi. J'aimerais être au plus proche de ce que tu montres, mais euh, c'est inégalé. Hein. C'est inégalé. Ce que je peux vous montrer là, euh, c'est pas la même chose du tout que quand. Euh, et c'est ça mon plus grand désespoir, quand même, à chaque fois, c'est que. Euh, il faut vraiment que le Père des esprits se reconnecte à vos esprits, les enfants, pour que vous puissiez vraiment. Euh, qu'on ait tous la même pensée, un même sentiment, <laughs> comme vous dit Saint-Tiche, et voilà que. Euh, parce que franchement, c'est inégalé, quoi. Il y a un seul Rabbi, hein, il y a un seul Rabbi. Moi, si j'apporte un enseignement, certes, ça va être joli ce que je vais dire, ce que je vais apporter, ça va être. Ça va être fait comme ça va être pouvoir être fait quand même parce que je galère, mais euh, il serait quand même préférable que ce soit lui qui vous donne tout ça. Ça serait ça serait cent fois mieux. Déjà je n'aurais plus à travailler, <laughs> la feignasse. Mais ça serait quand même 100 fois mieux. Voilà. Si donc vous voyez le fils de l'homme monter où il était auparavant, le fils de l'homme est descendu sur la terre, la terre est son marchepied, la femme est la gloire de l'homme. Adam est Dieu. Et Adam régnait certes sur la terre, mais Adam est Dieu dans le spirituel aussi. Amen. Donc je ne vais pas tout lire ça, les amis. Hein, ça c'est à propos du germe de l'Éternel. Mais en tout cas, vous savez que Jésus-Christ est le germe de l'Éternel, le germe de l'Éternel, et que euh, tu ne peux pas faire pousser un germe différent d'une plante sur une autre plante. Quand Jésus-Christ vient greffer l'Église comme étant son épouse à son propre corps. Parce qu'il est le germe, il faut qu'il soit déjà l'Adam pour ça, le Créateur, le Dieu pour ça. Sinon, il ne pourrait pas. Le germe dans les plans de l'Éternel Dieu. Voilà. Un pou, on a parlé de Loulou le pou tout à l'heure. Un pou sous une loupe, serait-il invisible, chers enfants de Dieu Non. Nul ne peut se cacher à la vision de Dieu. Il vaut mieux être que paraître. L'Éternel seul est Dieu. Voilà. Donc, ben, Seigneur, ben, j'ai fini. J'ai fini, puis en plus j'ai fini à la belle heure. Il est 16h34. Et ben c'est merveilleux. Peut-être, peut-être je vous retrouverai ce soir à 21h30, 40. Si vous voyez qu'au bout de 10 minutes, il n'y a pas de live, c'est qu'il n'y aura pas de live, les amis. Hein euh, pour faire un, peut-être un, une petite lecture biblique. Euh, pourquoi pas Ou revenir selon euh, ben, mon chéri, refaire des témoignages, des choses selon sa volonté. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Merci. Euh, avoir écouté ce live, vous pourrez le retrouver sur le YouTube que j'ai fait pour la gloire de l'éternel. Euh, personne, 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 Il faut connaître l'éternel, d'accord. Et pour le connaître, ben faut connaître personne, <laughs> c'est terrible. mais c'est comme ça, ça a du sens spirituel. Tout ça, euh, mon éternel, et eh ben je te rends grâce pour tout ça. Et oui, bravo, parce que franchement, euh, c'était pas facile. Je me suis dit ce matin, mais oh, comment, mais comment je vais faire ce live? Alors, je, je voyais déjà tellement le, le, le boulot à faire. Il y avait tellement déjà de boulot d'aller chercher les choses et comme il me les donne et euh, essayer de voilà de, de mettre un petit peu en scène et tout ça comme, comme je voulais euh, voilà les faire parvenir au plus près de ce que je vivais avec lui je me suis dit j'y arriverai jamais 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 là autant je, je, faut que j'arrête de faire des lives j'y arrive plus j'y arrive plus j'y arrive plus trop des lives euh, trop importants quoi là c'est euh, c'est de la nourriture spirituelle, mais euh, franchement, là, on a, on a entré euh, plat, euh, dessert, et puis euh, <laughs> on mange même entre chaque, euh, entre chaque assiette, je vais te dire, tellement c'est de la nourriture consistante spirituellement. Voilà. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, vous préserve du mal, qu'il vous donne la rédemption comme, comme il le veut. Vous êtes déjà dans le monde nouveau. Hein. La terre, là, c'est la, la, la terre nouvelle. Hein. Euh, elle a déjà été détruite, en fait. L'arbre a déjà été coupé avec le déluge de Noé. Euh, voilà. Vous avez compris. Hein. Voilà. Eh ben, gloire à l'éternel des armées, votre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, notre Rédempteur, Amen. Euh, et loué soit Jésus-Christ, Amen. Voilà, merci. Shalom.